Hello guys, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur votre nouvelle émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti. L'actrice et présentatrice camerounaise Muriel Blanche. Muriel Blanche, de son vrai nom, Le Meunier Kamche Muriel, est née le 25 août 1990 à Banja, dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle est une actrice, chanteuse, mannequin, productrice de films et femme d'affaires de nationalité camerounaise. En matière de mode, elle s'y connaît et met toujours ce qui lui va en tenant compte de sa morpho et de son sublime teint. Muriel Blanche, originaire de l'ethnie Bamileke, est diplômée d'un bac plus 2 en gestion et commerce international. Elle a une sœur jumelle, Oscarine. Toute petite déjà, elle aimait se mettre en représentation devant toute sa famille dès que lui venait l'occasion. Elle fit ses études primaires et secondaires dans la même localité. Diplômée d'un bac plus 2, elle rêve d'intégrer le monde artistique. Ce rêve se réalisera avec beaucoup de travail et d'acharnement et surtout de courage. Elle va mettre sur le marché quelques singles, notamment « Reste là » et « Elle et moi ». D'un domaine artistique à l'autre, après la musique, elle embrasse le cinéma en 2013. La pacneuse fait ses premiers pas dans le 7e art à travers Tony Bouche de la réalisatrice Pascaline Théma. Elle y campe le rôle de la princesse, un rôle qui visiblement lui colle à la peau puisqu'elle est désormais considérée comme la princesse du cinéma camerounais. Un an plus tard, la sulfureuse actrice a été sacrée première dauphine du concours Miss Francophonie. Ce n'est qu'en 2017 que la fine fleur va véritablement éclore et s'imposer comme la reine des réseaux sociaux à travers la websérie PAG aux côtés de sa sœur d'armes Marcel Quetch. Elles sont belles, jeunes, magnifiquement vêtues et représentent un nouveau mode de consommation des films camerounais à travers des scénarios hilarants et parfois décalés. Ainsi naît le phénomène PAG qui va braquer les projecteurs sur elle et les faire être convoités par de nombreuses entreprises. Au regard du succès phénoménal de leur websérie et de leur popularité, les deux dames ont inspiré bon nombre de jeunes qui se sont lancés dans la websérie. Depuis 2020, elle joue le rôle de Passy dans la série Madame Monsieur de Ebenezer Kepombia. Lors de son 31e anniversaire, le 25 août 2021, elle décide de scolariser 10 enfants orphelins, dont un par région au Cameroun. Elle lance également sa ligne de vêtements et ouvre un salon de beauté, tous deux au nom d'Envoûté par Muriel. Des plus réussis aux plus hasardeux, elle réussit dans tous les cas à attirer notre attention et à aiguiser notre sens critique. Véritable fashionista, nous avons sélectionné pour vous certains looks de ce personnage public qui ont fait ressortir davantage sa beauté. Dans ce premier look chill mais qui ne perd rien de son charme, elle a opté pour une maxi chemise bleu clair avec un jean bleu qui est dans les mêmes tons que sa chemise. Côté chaussures, elle a choisi des chaussures tout en douceur. Elle porte des sandales à talons blanches avec des froufrous. Sa mise en beauté sobre est à tomber. La jolie jeune femme est toute ravissante dans cette tenue BCBG rétro années 60. Elle porte un ensemble jupe et pull imprimé pied de poule avec des boutons dorés. Elle porte un collier de perles pour surligner le côté prépris de son style et ses cheveux sont coiffés en mode 16 et le résultat est juste extra et on adore. Le style effortless est une méthode qui marche à tous les coups. Dans ce look, notre actrice porte un ensemble pantalon blazer vert pomme qu'elle associe à un t-shirt beige assez haut et une paire d'escarpins transparentes. Le tout avec un sac à main beige. Sa mise en beauté est fraîche et le rendu est plutôt cute. La désormais chroniqueuse du cœur des femmes est juste à tomber par terre dans cet outfit. Elle porte une jupe près du corps bleu foncé qu'elle a portée avec une chemise dont des tons saumon avec des reflets et des petites touches de bleu pour rappeler la couleur de sa jupe. Côté chaussures, elle a choisi des sandales à talons orangés et a porté en guise de coiffure une wig rousse ginger qui match avec le tout. Elle est sublime. Vous l'aurez sans doute remarqué, Muriel Blanche est à la croisée des chemins entre mode et cinéma.
La belle camerounaise porte un ensemble blanc, près du corps et sexy, comme elle en a le secret. Son ensemble est fait d'un pantalon et d'un top crop à manches longues, lacé sur le devant. Le clou du spectacle dans ce look est sans aucun doute sa coupe dégradée orange qu'elle associe à un maquillage parfait et couvrant sans en faire trop. Son look est frais et son style, on kiffe. Le style de notre guest pour ce look a un petit côté bon enfant sexy que j'aime bien. Elle porte une robe vert olive chasuble et mini qu'elle associe à une ceinture dorée pour marquer sa taille. Elle associe sa robe à une paire de mules à talons avec des reflets violacés. Côté coiffure, elle opte pour une coupe bouclée qui la met parfaitement en valeur et cet ensemble est rondement mené.